Bonjour, donc nous sommes la société Academic Software, une société d'origine belge, une EdTech qui a été fondée en 2014 et qui a imaginé avec les établissements de l'ESR une plateforme intelligente et innovante qui permet de favoriser le build. Donc l'idée, c'est de pouvoir distribuer à travers cette plateforme l'ensemble des licences en fait à tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, donc que ce soit les étudiants, que ce soit le personnel enseignant ou alors le personnel administratif, et ensuite d'être capable aussi de déployer les ressources de plein de manières différentes. Donc on propose à la fois des solutions en fait pour une installation directement sur la machine des utilisateurs, comme des solutions virtuelles en fait, mais on va utiliser, je dirais, le cloud de manière intelligente, en essayant de faire attention en fait aux coûts que ça va générer pour les établissements de l'ESR et à l'expérience utilisateur. Alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Les assises du CIR, c'est un moment qui est clé en fait pour toute EdTech actuellement. Nous, on est implanté en France que depuis 2020, donc c'est vraiment un moment qui est extraordinaire pour pouvoir se présenter en fait à tous les DSI de l'ESR et de pouvoir créer des liens. Les assises du CIR, c'est pour toute société EdTech qui propose des solutions logicielles, un moment qui est vraiment incontournable en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'ensemble des décideurs qui se trouvent ici. Donc nous, en plus, on s'implante en France que depuis 2020, donc c'est vraiment un moment qui est privilégié pour pouvoir présenter nos solutions et puis commencer à construire en fait des relations de manière peut-être un peu informelle autour de voilà de moments qu'on partage dans la convivialité. Donc les points positifs qu'on retient du CIR pour nous, c'est la première fois qu'on vient, donc je dirais déjà le fait qu'on a un contact direct avec les prospects et les contacts avec lesquels on parle toute l'année, et dans un contexte qui est vraiment particulier, qui sort du cadre des salons classiques, et la possibilité d'avoir des discussions qui sont plus ouvertes, qui sont plus franches, plus directes, avec des gens qui ont plus de temps à nous accorder, et un contenu aussi qui est de bonne qualité. Donc c'est un ensemble de points positifs qu'on va retenir cette année. Alors un petit mot pour les organisateurs, déjà un grand merci de nous avoir accueillis cette année, de faire de nous un partenaire du CIR. C'est la première fois qu'on vient, on est super content d'être là. L'organisation est top, le contenu des conférences, on a trouvé ça vraiment bien. On est évidemment ravis d'être là et on a envie de revenir l'année prochaine avec des goodies qui seront encore en meilleure qualité. On a fait des promesses et on les tiendra si on est là l'année prochaine. Et encore merci.